Yo, bande de Roger, ici le Matt. Et aujourd'hui, on est sur Nux, un jeu en pâte à modeler. Bon. Alors, bienvenue dans une nouvelle petite série qui va s'appeler les jeux random. Parce que là, comment ça peut se retrouver dans mon putain de placard Steam, je ne sais pas. Faut avouer que je n'ai pas conscience de ce que j'ai fait quand il est arrivé. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Bon. En plus d'être en pâte à modeler, il est en mono au lieu d'être en stéréo. Donc, si vous avez fait attention à la musique et au son, on l'entend que dans l'oreille droite. Donc ça, c'est pas génial. Voilà. Donc vous pouvez observer les graphismes. Hein, au moins du 340p full FPS. C'est plutôt fluide. Donc le processeur, au début j'ai un peu eu du mal à le faire tourner, mais là ça va, j'ai fait les bons réglages. Il y a un peu d'aliasing si on regarde bien, mais ça devrait aller. Putain, sans déconner. On sait même pas ce que c'est censé être des vaisseaux, on dirait des chaussons aux pommes. Bon, ça c'est des astéroïdes, hein, devinez. Mais c'est des putains de boules de pâte à modeler. Hein. Là je rigole même pas. Hein. Un shoot'em up comme ça faisait longtemps que j'en ai pas vu. Hein. Destroy weapon and pipes for power up. Ok, il faut aller sur ces merdes pour avoir le bonus. Le bonus! Ok. Ok, donc voilà. Nickel. Je sais même pas si on est en facile ou en rien du tout. Bon, on va faire deux parties. Hein, comme ça, vous serez. Oula, j'ai fait un peu tarot. Comme ça, vous aurez un peu conscience de ce qu'on peut trouver sur Steam. Alors là, on ne sait pas. Ah, maintenant, il y a des astéros. Des robots astéroïdes, comment on appelle ça? Des astéropopes. Voilà. Putain. Souille. Ce jeu est trop dur. Putain, on a 4 vies avec 3 points de vie à chaque fois, quoi. Ça doit être vraiment hard. Hein. Sans déconner. Alors, regardez bien le décor. Hein. Donc là, c'est plutôt stylé, on ne sait pas ce que c'est. Oui, ils font des feintes. C'est quoi en fait? Regardez, on voit les bouts de pâte à modeler collés à la main, quoi. Il y a limite les traces de doigts dedans, quoi. C'est n'importe quoi. Puis cet arrière-plan, regardez, là-bas on dirait un espèce de pseudo-Saturne, mais. Sauf qu'il aurait pris très très cher. Là, bah, il y a un vaisseau spatial. Regarde, avec une piste d'atterrissage, hein. C'est vrai qu'on le voit très bien derrière. Là, bon, on peut même voir des nuages si on plisse les yeux. Je suis même pas sûr que le jeu soit affiché en 16/9, quoi. Ah bah voilà, bah ça c'est la station spatiale, hein, on s'en doutait tous. Ah honnêtement, puis il y a des petits avions qui partent, bon on dirait un peu des moineaux, mais c'est des avions. Faire confiance au jeu. En fait c'est des moineaux qui ont pris très très cher peut-être. Hop, allez on va le raid. Aïe putain, mais c'est quoi ces putains de boules mexicaines là? Ce jeu a un problème, je ne dirais pas lequel. En fait, si je reste ici, j'ai gagné. Ouais, presque. Non mais regardez-moi ça, level complete, quoi. Ça veut rien dire, on est d'accord. Bon, j'espère que vous appréciez, en tout cas. Mais là, ça veut rien dire, bon. Quoi? Quoi, ça? Oh putain. Oh putain. Quoi? Pourquoi il y a des pièces maintenant? Oh putain. Billy. Dodge Bullet. Pourquoi il tire maintenant? Ouah. Aïe. Mais c'est incontrôlable. Hélicoptère. Oh ah. Mais c'est incontrôlable, hein. Aïe. C'est incontrôlable. What? Mais on peut pas se poser dessus? Mais c'est très nul. Regardez les textures qui décalent là. Oh putain. Mais je vais jamais y arriver, hein. Oh là là, mais ce jeu est bugué.
Tac, 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 hop, hop, hop. Aïe. Où est le problème? Oh, sans déconner. Ok, 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 ok. C'est bon, ça passe, ça passe. Ok, j'ai pris un dégât, je sais pas pourquoi. Ce jeu est mou, en fait. Quoi? Mais c'est un checkpoint. Si, si, le checkpoint est piégé et... Oh là là là, bon, tryhard, ok, c'est pas grave. Hop, on va jamais y arriver. Limite, je préférais la phase soupe du foot. Putain. Est-ce qu'on peut traverser les murs? Attendez, ouais, mais regardez, j'ai trouvé une technique. Hop. Il est pas difficile le jeu quand on voit. Regardez, attendez, attendez. Est-ce qu'on peut recommencer du 2? On a trouvé une technique là. En tournant une M, alors attends. Va te faire. Non, on va être poli, on va écrire comme il faut. Voilà. On va te faire foutre sans E. Ah oui, on était en easy quand même. Voilà. Donc attendez, on va refaire un petit coup et puis après on s'arrêtera là. C'est des vidéos qui sont pas censées être longues. De toute façon, comment voulez-vous que je juge ce jeu? Il n'est pas jugeable. C'est, ou alors soit ce serait très triste. Mais entre le musique, le son, la pâte à modeler, le son, la musique, le son, la pâte à modeler, c'est pas possible. Surtout que c'est à un moment donné, c'est... Non, c'est pas possible. À la limite, c'est la phase du jeu qui est la mieux pour l'instant. D'ailleurs, tu sais pas comment il est arrivé sur une planète tout à l'heure. Hop, 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 allez, très rigolo. Hop, limite, on attend là, on attend les ennemis, ils vont arriver à gauche en bas. Hop, je connais la strat. Ça va rien dire. Alors, je pense qu'on peut même projeter de faire de l'ESL là-dessus, hein. Multijoueur, ça doit être cool. Regardez, lui, il passe, on sait pas pourquoi. Aïe. On sait pas pourquoi il est là. Sauf c'est le boss du fin du jeu, il te fait des petits coucous des fois. Je sais pas à quel moment ils se sont dit faudrait qu'on arrête le développement, mais ils l'ont pas arrêté en tout cas. Là c'est très triste, hein. C'est pas grave. Hein. Aïe, aïe. Bon d'accord. Hop là, on va voir Gargantua. Ah non, c'est vrai qu'il y a des Esteroids qui ont des tourelles. C'est vrai que ça me paraît plus clair. Aïe, je suis mort. Une boule mexicaine sûrement qui m'a tué un arigot. Oh putain, voilà, lui il monte sa tête, il est même pas détouré comme correctement. C'est très grave, hein. Regardez à gauche le machin violet qui passe, c'est quoi à votre avis? C'est une station spatiale? Non, c'est un bretzel. Je suis désolé. Je suis en facile, hein. C'est-à-dire que là, j'ai même pas pris le temps d'essayer en normal, hein. Affichage 32 bits, 60 fps. Je répète, hein, si jamais si vous, à mon avis là, ça demande au moins un processeur de Nintendo 64, minimum. Après, on peut aller jusqu'à une Titan Z hein, pour vraiment avoir les graphismes au maximum, mais je pense que la Nintendo suffira pas. Ouais, ça m'a saoulé. Vous savez quoi? On va suicide. Allez hop. Ça m'a saoulé. Allez, meurs, meurs. Je sais même pas qui je joue. Voilà, très bien. Regardez, ils ont l'air très mignons comme ça. C'est limite, t'as pas besoin de tuer les ennemis en fait, il faut rester au-dessus, esquiver en mode... Hop. Alors, quel est le problème? Aïe. Hop, esquive, hop, 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 et pas chasser, hop, hop. Ah, allez, on atterrit. Bonjour, permission d'atterrir. J'atterris, pas du tout, je ne peux pas atterrir. Ah. Je fusionne avec la matière. Je suis dans la tourelle. Ça ne marche pas. Comment ça ne marche pas? Je fusionne avec la tourelle. C'est parti. Ah, j'ai failli gagner. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé, parce que moi, j'ai pas aimé du tout. Il faut se dire, à un moment donné, regardez ce qu'on achète. Mais je l'ai pas acheté, ce jeu. Comment il est arrivé dans mon putain de truc? Je ne sais pas. Bon, très bien. Ça va être comme ça pour plein de jeux. Il y a des jeux que je ne comprends pas comment ils sont arrivés ici. Je sais pas, exportation, à un moment, c'est dit, va te faire foutre, hein, pour de bon. Ah, j'ai pas eu le temps de mettre mon nom, ok, alors ils sont comme ça, donc, ok. Attends, design programming, SFX, Marc Purdy, ok, on le rejoint. Product manager, Steve Smith, ok. Graphique, Paul Tapping, alors Tapping, va te faire foutre. Chris Adbot, alors toi, tu vas encore plus te faire foutre, la musique. George Bra, bah, toi, ça va. Testing, Neil Atkinson, alors vous, qui avez testé le jeu, je ne sais pas comment vous l'avez passé en Gold Edition. Ah, on est revenu au score, pardon, je ne sais pas. Bon, je vais arrêter ça tout de suite. J'espère que vous avez passé une bonne journée.
Je vous continue à vous souhaiter une bonne journée, je vous dis à plus.